Ah putain. Normalement, j'ai récupéré la rapière. Et je suis à 10 morts. Putain. En 1 heure, tu te rends compte? Salut à tous, c'est David Lafarge Pokémon. Salut David Lafarge, comment vas-tu? Ça va très bien. Ah, je peux pas la porter la rapière. Qu'est-ce qu'il me faut? Bah, tu regardes dessus. Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. De manière, elle fait moins de dégâts. Si tu fais moins de dégâts, c'est parce que t'en as en poids. Et on sait, en dextérité, t'as tout mis en force. Enfin, t'as tout mis en force, t'as rien mis en force. Comment je vois déjà... Ah voilà, info. Non, attends. Comment je vois déjà les requis? Attributs requis, ok, ouais. 12. C'est quoi ça? C'est 12 La en vigueur. dextérité. 12 Ouais, en... il faut de la dextérité et de la force. La dextérité, il en faut. C'est pas de la vigueur qu'il faut. Attends, parce que moi, en fait, c'est tout petit sur mon écran. J'arrive pas à reconnaître les... En fait, Dextérité... voilà, Ouais, c'est ça, pour agir, dextérité, ouais. faut. Pas pour les armes. Alors... Ah, par contre, attends, j'ai Ou chaud, là. speedrun en mettant tous les points en chance. Aujourd'hui, bah, j'ai fait une dégustation tacos Tacos? avec mon ami Mohamed Eli. T'as mis quoi dans ton tacos? Seulement du steak, j'en ai pas pris un gros, j'avais pas fait particulièrement. Oh. Sinon, j'aurais peut-être mis des Alors. boulettes aussi. Putain, non, je vais pas crever là, sérieusement. Non, mais go pas spoil. Ah putain, il s'est déjà mis. Live quoi. Honnêtement, retourne au spawn histoire de changer ta fiole. Ouais, c'est ce que je vais faire. Salut à tous les amis, c'est Mohamed Eni. Aujourd'hui, on va déguster le taco et le Ah putain, je me suis grande. planté de feu. Lucas, le speedrun est bien parti. Ah bah hé. Je sais pas atteindre mon plein potentiel. Ceux qui ne connaissent pas vos grand-mères à cuillère, Le celles de Triceratops. centenaire. Non, les grand-mères à triceratops, c'est quelqu'un d'autre. Par contre, j'ai bientôt fini mon whisky. Et après, il va falloir taper la vodka. Problème 5 joueurs. Vodka Orangina, je pense que ça devrait mieux passer que whisky Orangina. Ça y est déjà que j'échange les. Je crois que c'est elle. Non, c'est pas elle. C'est le forgeron. Je sais plus. Ouais, voilà. Voilà. Bonjour monsieur dame. En fait, je suis pas encore 10 morts. Honnêtement, en plus, le premier boss, il est facile. Merci. D'accord. J'ai bien fait d'acheter cette caméra à la con, cette webcam. Vraiment la paire, putain. Je regarde même pas le Pas jeu. dégueu. Ouais, la qualité elle est pas dégueu, ce que je regarde, ce que j'étais en train de me dire. Après, le skill est toujours pas présent, mais c'est pas moi je prends une webcam. Comment? Ah Oh, ouais. tout de suite exagère. Et allez! Il reste plus qu'un tiers de vie. Il s'est failli contre 3 PO. Mais laisse-le. En fait, à ça, parce qu'il faudra que tu comprennes.
C'est quoi? Tu vois là où il y a les deux mecs qui sont allongés au tout début, hein, quand tu veux s'intéresser sur les toiles. Mm-hmm. Il y a seulement deux mecs qui sont en train de payer, en fait, il y a un mec. Putain! Talent, ça, non? Putain. Ah. Tu sais, Dark Souls, c'est pas un jeu de plateforme. Hein. Ah merde. Ah, j'ai pas bu. Ah bah oui, moi je t'en. Je crois. Attendez. Que s'il m'a pas repéré, il m'a pas repéré. Un jour, je ferai un drone souls avec de la pisse. Au bout d'un moment, t'as tellement bu de ta pisse que ta pisse elle devient buvable. Par contre, je pense que une fois que ce verre est fini, le whisky sera fini hein, parce qu'il reste qu'un fond de whisky. Hein. Là, j'aurais bu un flash là. Il n'y aura plus sec. Bah, j'aurais fait. En fait, là, le flash il est parti. Bon, c'est qu'un flash pour l'instant. Flash. Ouais. Bah, c'est pas énorme un flash, c'est rien. T'appelles ça comment? T'appelles ça comment? Une flasque. Nous on dit ça un flash. Je sais pas. Un flash? Ouais, je sais pas. T'es d'accord, Axel? Bah, dans Paris, on appelle ça un flash. Remonte à la caméra. Non, mais je vais pas montrer, on a pas le droit. Mais quoi que t'as pas le droit de montrer, t'as pas le droit de montrer de l'alcool à la caméra. Je suis pas sûr. Sur Twitch et tout, on a pas le droit. Ah hein. Non, si. MP, le c'est tendance, c'est pas MP, c'est un streamer québécois. Il tournait au whisky aussi. Il avait la bouteille qui était. Bah attends, tu me dis sur Twitch, on a pas le droit, ouais, moi aussi je regarde, tu viens ici, s'il te plaît. Ah putain. Chier. Non, ouais, je sais pas, j'appellerai ça une flasque aussi. Ouais, mais bon. Bah. Mais au pire, j'appellerai ça une bouteille ou autre chose, mais une flasque, ça va. Un flash, non. Bon, alors une flasque, bah voilà. C'est rien. Je critique parce que t'es une bouteille. Je n'avais jamais entendu ça. Ce genre de petite bouteille. Ma question est-ce que je peux laisser ça ouvert? Ça m'évitera de l'ouvrir à chaque fois. Ah, ouais, je peux, c'est génial. Ouais, apparemment ça se dit, mais quand tu regardes les images, c'est marqué flasque. Mais ça se dit, on est d'accord. Bah, apparemment, ouais, c'est les gens, quand même, à mon avis, ça doit être une déformation. Ouais, je pense que c'est une déformation. Ah, écoute, on va pas créer un nouveau débat. Hein, ah, chocolatine, pain au chocolat, flasque, voilà. Flash. Ouais, c'est. Non, mais ça vient de flasque en fait. Mais... D'accord, oui, je pense, hein. Mais... Ouais. Ah, on est d'accord, Booma. Merci, Booma. Ouais. C'est deux. Ah, mais va te faire foutre, toi. Allez, ah non, c'est vrai, il arrive derrière moi. Ah non, voilà, il y en a deux. Le mec qui arrive de derrière, tu sais, il est tu peux le taper en fait. Il est sur le rebord du muret. Il a genre ses deux mains, il le tape, il tombe dans le trou et il dort. Oh, c'est pas grave. Non mais pour la prochaine fois parce que tu vas en mourir. Aussi.
tuer les cordes, de toute façon tu meurs sans pouvoir ramasser. Oh ta mère. Il me semble que... Voilà, ok. Non, non, je voulais essayer un truc. Quand tu vas sur le toit, y'a rien, je crois. Je suis pas sûr. Tu veux laisser te donner le coup en tombant? Ouais. T'aurais dû te soigner avant quand même. Parce que quand tu donnes le coup, tu peux perdre de la vie, sauf si tu tombes sur un mob, je crois. Putain. Le problème, c'est que le mob s'est arrêté, donc... Tant pis. Si, si, j'ai bu. Si, j'avais bu, j'avais bu. J'ai bu aussi. De toute façon, au bout d'un moment, il sera tellement bourré, il va oublier. Ah ouais, au bout d'un moment, c'est fort possible. Au bout d'un moment, il va boire quand il sera pas mort, et dès qu'il sera mort, il jouera. Incroyable, il quitte la tour, full life. Ah, il s'est pas encore quitté. On les ramasse toujours pas les trucs blancs, mais... Et tu peux taper avant qu'il commence à marcher, les défenses. Ils sont gentils, ils ont mis des amants de l'échelle. Vous êtes tout en bas avec le gros. Pourquoi tu veux absolument passer par là? C'est un endroit de merde. Quel chaque fois qu'il saute, il perd sa vie. Non. En plus, au lieu d'aller dans le sens dans lequel le mec tourne, il va dans le sens contraire. Ah putain. Évidemment. Pourquoi tu veux le fight? Pour mourir? Ah, c'est vous qui m'avez dit que... Parce que depuis tout à l'heure, ça va quand même pas très loin. Le mec il évite la moitié des mobs faciles et il va se fight comme ça quoi. Je pense que ce que tu devrais faire, dis-moi, c'est esquiver tous ses coups jusqu'à ce qu'il fasse son... Son sort... Son speed, ouais. Histoire que tu fasses one shot. Ah oui, tant qu'à faire. Ah non, mais quand il est là, à ce moment-là, il peut le choper par derrière et faire un... Ouais, mais t'as vu, ça va durer 10 heures. Ah bah, ça va durer 10 heures, mais... Et moi mon conseil, c'est... Ne le fais pas. Ah... Je sais même pas pourquoi t'es parti en bas. Je sais pas, hein. Nick, ta mère, très fort. Ah, tu t'es fait avoir par les... Ah non. Si, je m'en doutais. Les barils explosifs. Ah. Putain. Putain, ce mec il est juste là pour troll, là, le pauvre qui lance sa bombe. Ça fait deux fois qu'il te tue, hein. Qui ça? Le mec qui lance la bombe incendiaire en bas, là. Non. C'est la première fois. Bah si, tout à l'heure quand t'avais commencé à courir. Ah oui, 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 oui. C'était lui qui t'a tué. Autant pour moi. Par contre, ils disent que t'as pas vu.
Si, j'ai bu. Bah, moi, je t'avais dit de boire aussi, je crois. Ah, je sais pas, je surveille pas. Ah, je finis mon verre alors. Mais je sais que j'ai bu, hein. Bah, moi, je crois que je vais avoir vu le boire aussi. Hein. Franchement, je sais pas que t'as pas bu. Je dis juste que j'ai pas vu. J'ai vu ramener une coupette, moi. On a le même verre, alors moi, j'ai l'habitude. On est d'accord que c'est le verre coupé de McDo. Ouais, c'est ça. Le bleu. En plus, moi, j'ai le noir, moi. C'est le bleu, celui-là. Alors, moi, j'ai. Mais à la cam, ça se voit pas trop. Violet. Moi, il est tellement vieux, il a changé de couleur. Il est mort deux fois de suite, il a bu qu'une fois. Non, non. Déjà, je suis pas à 15 morts, je suis à 15 ou 16. Oula, ça y est, quoi. Je suis à 15 ou 16 morts. J'en sais rien, j'ai regarde dans tes stats de personnage, ça doit être marqué. Tu penses? Statue. C'était marqué sur Dark Souls 2, je crois. C'est pas écrit. C'est pas écrit dans ça, tu vois. Bon, dans le doute, on reste à 15. Ouais, au pire, à la prochaine mort, tu mets 17. En fonction de la nullité, ça compose ou pas. Bon, on va aller affronter un nouvel ennemi. Ah, peut-être pas. Oh là là. Il se prend vraiment les dégâts par les pires mobs. Putain, elle a failli mourir de l'arbalète. Non. Oh putain. On va aller souffrir un petit peu. Honnêtement, je suis vraiment déçu qu'ils soient pas morts comme ça. Je ne prends pas au moins. Parce qu'en plus, c'est une vidéo à la loupe, c'est pas. Ah, ça, bah, à chaque fois, j'ai remarqué un thème chez nous. J'essaie d'aggro le plus de mobs possible avant de commencer à s'occuper du premier qu'il a. Ah, évidemment, je m'en doutais. Ouais. T'es un connard, idiot. Il esquive trois fois avant que le mec il porte vraiment son coup. Donc, du coup, quand il porte vraiment son coup, déjà il est plus dans le timing, mais en plus il a plus d'endurance. Bon, c'est la fin du whisky. Ils étaient cool, c'est le verre coquin, ouais. Ouais, bah c'est gratuit. Donc. Par contre, j'ai chaud, sa mère. Voilà. C'est vrai qu'il était plus fringant au début du live. Ah bon, ça se voit tant que ça. Déjà, c'est vrai qu'il y avait un petit quelque chose quand même. Il y a un petit quelque chose, ça se voit que t'es. Ça se voit quoi? L'œil est moins vif. Il n'y a pas que l'œil, hein, je te le dis. Ouais, l'œil. C'est pour mon sourire. Ah. Et le pire, c'est que l'œil est moins vif, mais j'ai l'impression que je joue mieux que tout à l'heure, quand même, qu'au tout début. Non. Non, honnêtement, c'est pareil. Non, mais c'est, ça, c'est l'effet de l'alcool. Ah, d'accord. C'est l'effet de l'alcool, ouais, tu te sens plus puissant, c'est vrai que ouais, souvent ça. Tu te sens plus puissant, plus beau. D'accord. Moi, je vois souvent ça quand j'ai mon permis, dis faites attention, l'alcool vous fait sentir surpuissant. Ah. Bah, il est tombé cette merde. Et effectivement, c'est qu'un effet. Hein. Ah, bon,
s'en fout, le mec il est tombé, tu vas pas l'attendre 10 ans, tu te barres. Il va pas tuer le bout de la map, hein. Merde. Je crois que c'est pas obligatoire là de faire ici. Là. Faire quoi? Bah là, je peux rusher. Ah putain, à chaque fois j'oublie l'arbalétrier de con là. Nique ta mère là. Putain. Je sens genre la flèche dans le cul. Là, ça va prendre à chaque fois cette flèche quoi. L'oubli de Dark Souls, je dirais que c'est d'être méfiant, mais si tu fais des erreurs, c'est d'en apprendre aussi. Je vous dis pourquoi il est prendre à gauche. Parce que le fait, ah, tu vas te retrouver encore à 9 dans 9 mètres carrés. Non mais souvent normalement tu la tires pas si tu... Enfin là de toute façon il se relève pas si tu veux pas le charge. C'est dans lequel? C'est dans le premier. Il est énorme et il a des chiens avec lui. Et tu te failles dans 9 mètres carrés. Galéré quand même. Moi j'avais fait du premier coup dans mon run où j'avais fait. Dans ton run où tu faisais au point, j'ai pas compris comment t'as fait, putain. Mon gars, ce run au point, j'ai pas compris. Bordel de merde. Le premier Dark Souls, je l'ai commencé il y a pas longtemps. Et j'arrive pas à passer des trucs hyper simples. Alors que au point, j'ai avancé, mais genre en une journée. Ah oui, oui, oui. Ah mais t'as des fiances. Alors que le point, c'était tellement pas bien. Par contre, on parle d'un sub qui vient de se faire démonter depuis les chemins. Ah, oh, ta mère, je sais pas, je me plante. Là, j'en fais encore des cauchemars. Merde, sérieux, je suis vraiment con. Tu fais ça quand tu te fight contre une armée boss de merde. Ouais, quand un mec que tu touches quoi. Ouais, voilà. L'armée quand il y a beaucoup de monstres, tu vois, tu les emmènes dans un couloir d'étranglement. Non, mais là, souvent t'essayes pas de battre contre une armée de toute façon dans Dark Souls. Ce qu'il y a, c'est qu'en plus tu l'emmènes dans un couloir, mais il est tellement fat que tu galères à contourner. Souvent quand t'as gros une armée dans Dark Souls, c'est déjà trop tard. Ouais, médite à Robin de maigrir aussi. Ouais mais c'est pour lui ça, t'as la seule vie. J'aimerais tellement que t'ailles chercher le coffre là en dessous du dragon, c'est tellement bon. Y'a quoi dedans? Y'a une hache je crois que c'est ténèbres. Ah mais je peux même pas la soulever de toute manière donc. Je peux même pas la soulever, je peux aussi hein. Je peux regarder jouer, ça me donne envie. Mais. Moi je sens pas bien, mais. Comme je t'ai dit, j'ai pas envie, la dernière fois que j'ai essayé de gagner, j'étais déçu quoi. Enfin, je me suis dit, putain, le run, je courais comme un con avec mes deux boucliers parce que les pattes, ça fait hyper dégâts, c'est pas ta merde. J'avais été plus loin quoi. Alors que là, je joue avec une vraie arme et tout. C'est pas bien moi. Après, je crois que j'ai pris pire en ancien sur mon run dedans. Un boss, un tout maigre et un tout gros. Un tout maigre, un tout gros. Ouais, non, c'est un normal boss. Ouais, voilà. Non, parce qu'au début, je crois que tu me parlais du boss du jeu, où en fait, t'as un boss qui a deux côtés. Ah, ouais, non, c'est le boss, quoi. Quand tu un des deux, en fait, l'autre il récupère les pouvoirs. Ouais, il récupère le pouvoir de l'autre. Du coup, là, t'as avec son marteau, il devient tout électrique et c'est fou. Aucun intérêt. Bah ouais, si tu butes le. Enfin, il faut buter dans un certain ordre pour avoir un anneau.
une tarte. Ah oui, en plus. Ah, sauf qu'il a déjà monté au boss sans. Ah il va arriver avec un PV sur il va arriver, c'est déjà bien de dire qu'il va arriver quoi. Honnêtement, je pense que tu feras une bonne tournée de Google. T'as pas monté un seul niveau du la bombe qui fait 29 de dégâts. Ça fait pas les bombes de ça. Encore plus de la merde aussi. Mais... Ah putain. Le mec il commence à lancer des couteaux là. On a vu hein, que t'as réagi quand le mec il a commencé à courir vers toi mais c'était déjà trop tard. Toi qui essaye de lancer des couteaux dans le cul en plein de mal. Après qu'ils me disent de dégâts. Dire que c'est la colle, ça, pour le dire. C'est pas mal que ça. Ouais. Ouais, ça sert à rien ce que je viens de faire. Chaque itération, ça change. C'est ça, tu commences direct à taper sur les côtés tellement il est traumatisé. Alors qu'il va voir là le petit piège. Quand tu commences à taper sur un gars qui va dire qu'il sort des murs. Ça devient critique là. Une fois sur nous. Moi je crois qu'il y avait un truc à ramasser. Moi je pense que t'as assez à ça. Ah
avec toutes les armes. Les chiens sont à tort là. Toi qui mets pas le boss du chien, c'est des chiens à tous les deux points d'angle. Et quand je dis ça, c'est vraiment net. Enfin, je pense vraiment qu'il y a pas un du tout, il y a pas un chien. Évidemment. Bah, quand t'entends le évidemment, c'est qu'il est mort. Ah bah oui, ça. Allez. Alors, à travers le mur. Ah oui, c'est ça. L'adversaire qui t'a fait un OB. Je te jure. Il a glitch le jeu. Ce jeu de merde là. Ça commence à insulter le jeu. Tu sais qu'au lieu de manger tes âmes, tu peux essayer de les vendre à la vieille pour voir combien tu peux. Enfin, en gros, ça te donne le même nombre. Comment ça? Ah, d'accord. À la vieille. Pour voir combien ça te donne d'âmes. Ah, on s'en fout, je vais toutes les bouffer. Ah, ça se trouve, il va même pas pouvoir passer un nid. Welcome home, speak very well, then to take. Farewell, Ashen One. T'avais 1000 puissants là sur le compteur? Bah ouais. Parce que je t'ai vu boire, mais je sais pas si t'es puissant. Merde. Après, il y a des trucs autour du sanctuaire aussi. Ouais, je sais, il y a du stuff à récupérer. Ah ouais, mais c'est ça que t'as pas chopé non plus. Non, j'ai rien chopé. De toute façon, t'as tellement rien fouillé en vrai, t'as voulu rush le boss. C'est ce qui va le passer. Je vais aller fouiller, je pense, autour du sanctuaire. Je pense que j'ai fouillé. Bah, à côté du sanctuaire, je crois pas qu'il y a un fragment. Là. T'es sûr? Bah, y en a un, mais je crois qu'il faut la tuer. Parce qu'ils ont réglé le bug du glitch. Putain, attends, pourquoi je peux pas sortir déjà? C'est juste parce que ça va pas charger. Ah. Faut pas s'en faire. Ah, ouais, c'est bon. Après, on peut essayer de se faire le mec au katana. Ouais. Mais là, je te dis à plus de essayer de pousser dans le fond. Ça, c'est une bonne. Bah, tu l'as poncé, le jeu. Qui ça? Moi, j'ai une très bonne mémoire, d'ailleurs. Enfin, ça dépend, mais de toute façon, je suis toujours sur mes gardes, donc souvent je tombe pas dans les pièges. Je trouve que c'est vraiment des jeux où tu sais, si tu sois attentif à ce qu'il y a autour de toi, et puis c'est bon au final. Par contre, faut pas arracher son attention du monde parce que sinon, c'est là que tu te fais baiser. Genre, tu vois, Sok qui essaie directement de taper sur le mob. Bah ça je le fais jamais. Faut que vous regardiez. Tiens, regarde tout. Dis-moi dans le chat qui est dessus. Voilà. Les 20 morts. Ça mérite deux culs sexes. Toutes les dizaines de morts. Ouais. Et ben tu prends tu fais autant que tu sec. Tu prends 10 grammes de cocaïne. Bah, que la dizaine. Donc en gros je finis mon verre. Bah non.
Bah là oui, tu finis. Enfin, tu finis même deux fois ton verre. Tu finis deux fois ton verre. Ah, non mais ça va être horrible hein, déjà. C'est deux culs secs. C'est le principe. Bon, je vais sortir la vodka. Quand tu vas faire 50 shots là. Mais go finir le jeu, j'ai envie de dire au moins. C'est facile. Une main dans le slip, il le finit. Axel le fait au point. En vrai, le 3, ouais, peut-être. Le 3, il faut savoir que tu mets tous tes stats dans 3 trucs et c'est bon. Non, somme, il met tout dans vitalité, endurance et points, enfin force. C'est bon, bon. Faut prendre, là, on a ce qu'il faut. Hein. En plus, ça sort du congèle, donc c'est parfait. Putain. C'est JC qui te l'a remis. Même pas. En plus, c'était quoi? C'est une vodka de basse qualité, pardon. Elle a coûté 8 balles. Oh, 8 balles la vodka. Putain, non. N'empêche, deux bouteilles d'Eritov. Tu pourrais en faire un aussi, un Dark Souls. Bah, à ton tour. Le prochain Dark Souls, c'est Done by Kevin. Ouais, si tu n'as pas bourré, je suis pas si tu l'as. Je te conseille Dark Souls 2. Une vodka championne. Je te conseille Candy Crush. Alors, par contre, je vais éteindre la lumière, vous allez me dire si vous voyez quand même. Normalement, oui, mais bon. Bah, normalement, on va pas voir grand chose. Pas grand chose, ouais, non. Je vais rallumer. C'est pourri. Je vais te dire que j'ai déjà éteint la lumière chez moi avant. Quand je faisais des vidéos et je me suis rendu compte qu'on avait que dalle. Et c'est mieux là ou sinon je rallume celle qui était juste avant? Attends, là. Je pense que je vais rallumer celle qui était avant parce que. C'est quoi, j'ai pas de webcam. Ah, je suis allé en acheter une, donc tu vas en acheter une. Bon, les deux, ça va. Ça va? Ouais, j'avoue, à ça, il en a été acheté une pour le Dark Souls. Tu préfères laquelle, la première? Celle que j'avais pas en tout le début. La première, c'est mieux quand même. Ok, bon, après, bon bah, je rallume. Tu fais un peu comme ça, t'arrange aussi. Hein. Moi, je m'en fous, en fait. Bon, je vais boire un coup de flotte parce que le goût de l'alcool dans la bouche. Vous êtes vraiment des cons. Oh le bâtard. Je sens qu'il t'a fait une vidéo de parade. Quand tu te mets dans ce mode là, il faut pas le taper en fait. Il y a pas à ce point là aux fraises quand même, Kevin. Dans le premier, pourquoi pas? Oui, c'est. J'avais déjà vu ça. Ouais, dans le premier Dark Souls, il tombe assez vite. Mais là, normalement, d'habitude, tu dois le pousser. T'attends qu'il fasse ça, justement, tu vois. Tu mets un coup de masse, puis. Vu qu'il part en arrière, c'est bon. Le problème, c'est qu'Assol est capable de tomber avec. Hein. Voilà. Ouais, c'est parce qu'il était boire son coup d'eau. Un petit peu d'eau avec du mauvais spirit dedans. Ah, mais charge pas le katana, il va falloir de la dex. Hein. Tu me dis que tu peux pas porter une épée, tu vas enfin une hache, tu vas pas pouvoir porter le truc avec la dex. Je crois qu'il faut une clé, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah non, même pas. Putain, c'est les habits de gitan que t'as pas. Et je crois que j'ai plus rien à récupérer là. Honnêtement, le mec il se bat en slip depuis tout à l'heure et puis maintenant il met quoi? Il met ça quoi.
Encore quand le mec il met une armure, tu peux comprendre, tu vois. Mais franchement, si tu te balades en cible, je vois pas l'intérêt de mettre des trucs comme ça sur toi. Ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Ça commence à être difficile pour les menus. Ah, ça commence. Ah, ah. Parce que ça l'était pas déjà. Non mais les menus, j'arrive à les lire, mais là ça commence à. Il y avait pas des trucs à récupérer dans le sanctuaire, il me semble. Que des trucs de merde, je crois, hein, mais. Ouais, un peu, voilà. Les vrais trucs intéressants à récupérer, c'est plus tard en fait, parce qu'il faut la clé pour passer dans la tour. Welcome host. Very well, then take me. Attends, je voulais voir un truc. Farewell, Ashen One. Ki, ta, ta, ta. Ah, 16, c'est énorme quand même. Je peux pas monter de niveau. Si, tu veux. Il voulait voir ses stats. Mais ouais, go mettre les points en chance là. Welcome us. Very well. Then touch Hagen. Là tu vois, tes deux niveaux que t'as grimpé, tu les es revenu en dextérité, t'aurais pu faire un pire. Farewell, Ashen One. Ça sonne pas assez normal. Ouais. Non, t'as pas assez. Pas grave. Ok. Alors, y'a qui a gagné? Apparemment, pas. T'es plus bon. Pas si j'ai pas déjà pas couché. Gros sac. Un boomer encore là. Il y a un mec qui s'appelle Zombie. Là. Bah écoute, tant mieux. Hein. Je regarde pas loin. Non, je pense. Il s'est perdu dans la vie. Le truc. Boxy. Bah ok. D'accord. Je suis pas trop fan de la rapière. Hein. Ça sent le mec qui est déjà mort. Peut-être à demain ça change le coup. Là, non, que c'est dalle. C'est vrai, c'est que les stocks. Ça, t'avais débloqué un. Pour aller au boss. Ah bon? Bah oui. Tout en bas. T'as monté là. Tout à l'heure avec ton ascenseur. Ouais. Et t'es mort. D'accord. À travers le mur. Ouais. C'était ça. Ah c'est le raccourci pour le boss. Ouais. Ah ouais, rien à foutre. Ah. Ouais, mettre la rapière, ça pique. Ouais, un petit peu. Tristesse. Mais ah, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être compliquées avec la rapière. Ah, ça, tu déséquipes l'arme, mais tu rééquipes pas le. Ah, ok. À demain du coup. Non, c'est ce que je voulais vérifier mais non. Parce que normalement ouais, demain je crois que pour la force ça marche. Ouais, pas par dextérité. C'est ce que je voulais voir. Oh.
là, il a une... Oula. Patience et longueur de temps font plus que force. Bah, il est pas mort, mais le problème c'est que ça donnait quand même pas grand chose quoi. Ah bah ouais, je pensais qu'il donnait quelque chose ce connard. Ah ouais, t'as donné des... Ouais. 10 heures de retour au pire. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Que j'aimerais bien tenter un truc avant. Je m'en fous de la vie, quitte à crever. Ouais, non. Je voulais tenter aller jusqu'à l'église, mais je pensais que t'allais essayer de tuer la vieille. Bon. C'est parti pour la vodka. Ah oui, la vodka. Souka brillat. Le solvant. Alcool de patate, déjà rien que ça. Alcool de patate. C'est de l'alcool de riz fermenté avec du lait. De quoi? J'ai pas de retard. Non, même pas. Oh la vache, oh la vache. Putain. Ouais, il va frapper celui-là. Putain. J'en ai trop mis d'un coup. C'est de l'alcool à 8. C'est de l'alcool à 8 euros. C'est le même alcool que t'achètes dans les pharmacies. Ça c'est 40. Ça c'est 40 degrés et ça c'est combien de degrés? 37. Bon, c'est un peu moins fort, mais j'ai mis la moitié. Donc T'as mis la moitié de... Ouais. Dans la moitié dans du verre. Le compteur, je l'ai mis à jour. Hein. Je crois que oui. Le compteur, tu l'as mis à jour. Ouais, ouais, ok. Oh. Revient. Parce que t'étais à 20 quand t'as fini le... Ouais, on avait parlé de Q-Sec. Ah non, ça passe mieux. Oh, ça passe. C'est buvable. Ouais, c'est bon. T'as mis avec de l'orangina, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça bon. Passe mieux. Ça passe beaucoup mieux avec l'orange, ça passe mieux que le... T'en as peut-être l'habitude maintenant, t'es peut-être tellement en bois. C'est peut-être ça. T'es totalement en bois. Je suis immunisé à l'alcool. Ah la hache, attends. Ah putain, qu'est-ce que je prends là? Sérieux. Ouais, puis merde, allez, quitte à crever. Ça, c'est la bonne chose. Ah, mais il revient le gros en plus. Bah oui. C'est un mode commun. Oh merde. En fait, ça, après, c'est la zone. Et ça, c'est le mob de base. C'est-à-dire que là, t'en as un pour dire oui, c'est un peu compliqué le jeu. Mais au final, t'as une zone après et t'as que ça. Ah. Putain. Mais t'es censé être plus fort que ça. Franchement, ouais, dans la zone d'après. Le problème, c'est que pour l'instant, elle est montée qu'un niveau depuis le tuto. Non, elle a monté 3 en vrai. Il a tué le mec. Franchement, vodka orange, enfin vodka orangina du pauvre, ça passe. Salut Kalimantra. Ouais, mais pour chercher le la hache, faut que j'aille sur le premier feu ou pas? Ou je peux aller d'ici? Crache du feu, ouais, faut que tu cours au de l'escalier, mais je crache pas. Parce que je peux aller d'ici ou faut que j'aille à partir du premier feu? Tu peux y aller d'ici, tu peux faire le sens inverse, mais c'est plus facile d'y aller à partir du premier feu. Je vais essayer. On va essayer de la prendre. Ça va faire déjà une heure pour la deuxième partie, hein, bientôt. Et on n'a pas avancé.
bon. La prochaine fois, t'achètes du Jaeger. C'est bon, j'adore ça, Jaeger Bomb, c'est énorme. Ah, non, c'est dégueulasse. Ah, si. Tac, 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 je me souviens plus dans quel sens je vais le faire. On a fait ça au jour de l'an, mais c'était bière, tu vois, bière pong. Ah, c'est pas là. Il n'y avait pas une goutte de bière, hein. C'était ponche et Jaeger. Non, Jaeger Bomb. Je préférais quand la balle elle tombait dans le ponche. Jaeger Bomb, c'est. Jaeger Q sec. Ah, Jaeger Bomb. C'est très bon. Surtout que c'était les gobelets. Ah, les gros gobelets quoi. Ouais, bah ouais, les rouges là. Ouais, 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 les remplis, c'est bien. J'imagine. Non, il va chercher le la hache. Après, il y a du stuff aussi, genre il y a des vieux espadons et tout sur le. Ouais, mais ça, j'ai vraiment pas de stuff là. À l'endroit où il crache le feu, il y a quelques trucs. Mais de toute façon, ça se fait là parce qu'après, si tu veux retourner en bas. Quitte à farmer un peu, je pense, hein. En vrai. J'essaie de le faire au point, c'est pas passé. Il n'y avait pas de moyen de scale up pour les points. Je fais comment là en fait? Ouais. D'accord. Oh non mais c'est ça, hein, le sol est en flamme. Ouais, le sol est en flamme. Faut qu'il fasse des roulades un peu. Moi je pense. Oh, il y a tout. Par contre, je pense que si tu te prends le souffle, c'est pire que le sort. Autant tu peux avoir un peu mal, tu peux avoir un peu mal au pied, mais. Ah, il est là le mimic. Ok. C'est quand même. Pas du tout, ça. Ah, ta gueule. Il y a des messages d'avertissement partout. N'empêche, la première fois que tu tombes sur ça, ça doit bien te faire flipper, n'empêche. Surtout quand tu flippes le karaté et le football. Je me rappelle du place de Nick quand il tombait dessus la première fois. Parce que dans le premier, t'en tombes pas sur un. Alors que là, c'est tout. Oui, mais c'est le Ouais, mais dans le premier, tu dis quand même que tu regardes des coffres comme ça toute ta vie. Au bout d'un moment, il y en a un avec une chaîne différente, tu t'y attends pas quand même. Ah, il manque de la force. Tu die. Ah, il manque deux. C'est une dégâts pure. À... Ouais, du coup, il a pas besoin de monter sa force. Il a besoin que de la montagne. Alors je pense que je vais utiliser un os de retour, non quoi que non, je sais pas. Et ouais c'est vrai que si tu... Pour monter de niveau. Je pense que tu utilises demain c'est bon. Merde. Go faire le roi sans nom avec ce stuff. Il est easy le roi sans nom. Ça m'a saoulé tellement que je remis depuis. Les gens qui étaient bloqués au tuto comme ça. Y'a aucun intérêt en vrai.
Non. Je te jure. Oh là là. C'est Robin qui me porte la poisse aussi. C'est pas un safe for work. Hein. Félix Gambang là. Allez, os de retour. Je te jure. Non, mais c'est bon là. Il a même plus en un os de retour. Hein. Il a tous les mobs de la zone. Ah, le ferro, t'inquiète, je l'avais déjà. Ouais, il a déjà même je l'avais déjà. Enfin, il a joué n'importe comment, en fait. On s'en fout, je dis qu'à ça, c'est... 22 morts, il est déjà torché. Il a été déjà torché avant les 22 morts. qu'est-ce que je pourrais améliorer? Bah, tu mets 1 dans la force, comme ça, tu peux jouer de moins. Attends, quoi. Je te conseille d'aller chercher le fragment, tu sais là où il y avait le mec avec la lance qui t'avait puni. Ouais, je vais y aller. Tu continues là-haut et puis il y a un fragment pour ta fiole. Je n'ai pas déjà un fragment, attends. Non, j'en ai pas ramassé, hein, je crois pas. Non, je crois pas. Après, il y a les trucs pour... En fait, il y a les fragments pour avoir plus de fioles et il y a les trucs pour avoir... Les os là, je sais plus comment, la poussière d'eau, tu dois brûler dans le feu pour avoir C'est là où le lancier avec le. La, à chaque fois je me prenais la flèche dans le cul, c'est ça hein. Ouais, ouais, voilà. Ok. Exactement. J'ai envie de boire, donc je vais boire. Ah, d'accord. Cette violence n'empêche. Ah, je suis mort ici. C'est pas faux. Ah ta mère! Ouais, faut essayer de les prendre le plus possible dans le dos. Mais... Ouais, je t'entends rigoler toi, qui est derrière. Ah, mais il est pas derrière, il est pas Non, mais je te verrai bien quand ça va être ton tour. Moi je veux voir un Drunk Soul Skilling, ça doit être bien aussi. C'est pas... Je veux bien que ce soit Kevin aussi qu'il fasse. Ah, ah oui. Kevin, non, c'est Kevin qui fait. Ça, mais... ça y est, le cerveau est anesthésié. Ah bah il peine dans l'alcool.
Ah, c'est vrai qu'il y avait l'épée et tout ici. Putain, pourquoi je suis pas allé ici depuis le début? Il y avait l'épée. Putain, j'ai cru que t'avais pété le coffre, mon gars. Parce que attention, si tu pètes le coffre, c'est détruit, tu veux. Ah ouais? Ah oui. Ça, c'est comme ça dans tous les Dark Souls, on tape pas le loot hein, si tu pètes le coffre. Fais exprès pour pas que tu tapes le coffre en 10 ans pour que ça en mini. Ah, il y a quelqu'un qui a trouvé la cause de pourquoi tu t'es pas mis. Putain! Oh là là. Mais la somme, il attend d'avoir aggro tous les membres pour taper sur les gars. T'as un gros point, tu fais pas gaffe. Comme a dit Axel, il faut observer. Non, j'ai jamais été observateur, moi je suis bourrin. Jauger, ah non, mais quand t'es mort aussi souvent, au bout d'un moment, tu devrais le connaître l'environnement. Après, il est pas méfiant, pas forcément, mais bah oui, mais raison de plus, tu deviens méfiant quand même. Non, bah c'est le but de Dark Souls, c'est d'être en. Après, tu peux faire méthode bourre, hein, ouvrir 50 fois pour bien connaître les endroits. Non, mais c'est sérieux. Un peu la méthode Dark Souls 2 avec les mobs qui respawnent pas. Enfin, les mobs ils respawnent. Dans Dark Souls 2, ils respawnent que 10 fois ou comme dans. Ouais, faut quand même. Ouais, mais avec bon, ça, ouais, une règle, je crois que le boss du tuto il aurait même pas réussi. C'est bon, là, bon, allez, c'est bon. Je te laisse passer. Là, c'est arbalétrier, là, ça fait combien de points? Ouais, arrête, j'ai tapé en premier. Oh, il y avait le mec à là. Pour un fragment. Ah. Oui, parce que faut savoir que le mec qui s'est poussé de l'échelle, c'est pas celui qui tape en premier, c'est celui qui a plus d'endurance en premier. Non, j'ai envie de faire un truc d'abord, je m'en fous des âmes là, j'ai envie de tuer la vieille là. Ah, tu vas tuer la vieille. Nice. Bonne idée. Ça. Bah, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça va mal se passer. Déjà les deux là. Donc, non, faut juste que je lui parle, je crois. Non, mais tu peux la tuer. Quoi? Faut juste que tu fasses la causette au. Mais tu la tues. Oh non. Putain, j'ai même pas vu l'histoire. Lis un peu. Arrête, on s'en fout de lire là. Mais tu l'as! Non, je veux comprendre pourquoi tu dois tu l'as! Dis-moi ce que ça fait d'abord. Non, tu l'as tué. Et tu veux voir. La danseuse, on va rigoler, ok. Bon, je pense que j'ai compris. Ah putain! Merci, Kalimantra. Je sais pas si t'as déjà vu un truc de Dark Souls, tranquille. En gros, c'est un boss qu'il est censé faire dans 10 heures de jeu. Ouais, d'accord. Voire plus. Enfin, 10 heures de jeu. 10 heures de jeu, c'est normal quoi. Ouais, non, pour un mec à peu près normal. En fait. Il ira pas forcément trop bien, mais pas forcément trop mal. Mais qui boit pas forcément de l'alcool, je pense. Ouais, vas-y, essaye le bec de cornin. Moi, c'est pas du tout mon type de. Oh putain, t'as eu des gants. C'est génial ça. Quand tu vas avoir des gants, mais tu vas voir au cas où tu peux pas en mettre ton gant sur le site. Faut t'aider. J'aime pas trop. Hein. Moi, c'est vraiment pas mon type d'arme. Ouais, hein. Je préfère encore la hache. Et moi, j'ai du mal avec tout de toute façon. Qu'est-ce que je branle là? Pour faire le con sur le jeu, ça va, mais dès qu'il faut jouer j'aime pas les armes où faut prévoir des à la main. J'aime pas les armes, tout quoi. J'ai quand même deck pour la bonne chose sans.
Merde, quel con, putain. Il a déjà ouvert le passage secret, ce con-là. Le passage secret, le raccourci. Ouais. Hein. En même temps, t'avais raison, c'était ton seul échappatoire. Ah bah oui, la mort. Arrivé juste avant, t'avais les 4 mecs qui sortaient des créneaux. C'était ça où on lançait un boss, telle la danseuse ou l'autre. Ah putain. J'ai battu juste le premier boss de l'intro là. Non, c'est vrai que j'avance pas beaucoup là. Mais pour ce qui est bizarre, c'est que lors de mon premier run, donc quand j'ai fait la première fois le jeu, et j'ai battu les trois premiers boss sans mourir. C'est-à-dire j'ai fait les trois premiers boss sans mourir une fois. Comment dire ? Non mais c'est pas des conneries. Mais ferme ta gueule, je parle. Vas-y. Mais Vort, bon, il est facile. Oui, là, il est facile. En plus, t'avais pas commencé en mendiant, faut le dire. C'est pas faux, non. C'est pas prêt, c'est pas prêt. L'arbre, il est pas trop dur. Non, par contre, l'arbre, quand tu t'y attends pas, c'est vrai que tu peux être surpris. Bah, Vort, pareil, en vrai, franchement, je trouve que c'est vraiment bon. Genre même le boss du tuto, il est cool. Il fait tellement rien. Ah, je vais aller le boss là, je vais aller au boss direct. Mais pourquoi tu vas par là pour le boss? Tu sais que l'endroit où t'es tombé dans le fond, c'était là où t'es censé passer dans le fond. Oh, c'est bon. Mais en vrai, le boss là, il est faisable. Hein. Non. La danseuse, bon, voilà. En vrai, la gare, les deux connards, j'ai juste à. Alors attends, juste à faire ça. Mais un casque à saut. Les deux connards, tu les passes, on sait pas. Oh là là, les papas passent quoi? Arsène la kickette. Il était mid là, je pense que c'était bon. Ouais. Rien. Avec la main dessus. Le truc c'est qu'en fait il y a des moments où il commence à courir partout, mais il faut regarder le plein. Faut pas commencer à lui jeter des coups, déjà ça sert à rien. Ah putain! Ah, ça c'est un petit bois, ça court. Voilà. Congelé. Et il est mort. Et c'est pris le coup de pied. Oh, franchement, je suis déçu. Hein. T'as peut-être dû essayer de boire deux fioles d'un coup. Ah, ouais, oui, non, c'est ce que j'aurais dû faire. Ça va vite, donc, non, c'est là, pour boire plusieurs fioles d'un coup. C'est pas grave. C'est vrai que qui t'a pas utilisé ton bouclier? Ah, mais en vrai, il est faisable, c'est bon. Ça me fait penser aux pierres. J'aimais tellement ce petit système des pierres. Moi j'aime beaucoup. Je pense qu'il avait des trucs simples. Mais ça me dérange pas qu'il ait retiré en cours. Par contre, à la prochaine mort, je vais couper le stream. Eh, hey, fermez vos gueules, je suis en train de parler. À la prochaine mort, je vais couper le stream et le remettre pour YouTube. Après, ça fait une seule partie. Mec, tu m'aimes que un mob, il est blasé, le gars. T'es tellement en vrai.
Oh, espèce de fils de pute. Hein. Voilà. Ah oui. Tout à l'heure c'était pas ça, ça de la kickette, et cette fois-ci c'est pas vraiment la kickette. Utilise un nano sauf les pixels pour tout ça. En plus l'arbre il sert à rien. Enfin, il sert plus à avoir les armes de boss. Voilà. Putain. Ah non, c'est le plus facile. Mais à la base, je voulais faire le premier, sauf qu'il reconnaît pas ma manette. Donc, Bon, vu que j'ai tué le boss, je vais boire, tiens. Et finir mon verre. Et je vais monter de niveau, tiens. Ah putain. C'est méchant. C'est vrai. Pour c'est tout méchant. Le monde. La team t'en a un peu pour son mal. Well, very well, then hey. Et je vais couper, je vais relancer le stream comme ça pour une pause pour YouTube. Et je vais en profiter pour faire une pause pipi. Parce qu'avec l'alcool, ça donne envie de pisser.